Deya Ismaïla est désormais l'évêque de la mission évangélique Le Bras de l'Éternel. Il a été consacré après 14 années de ministère au service de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est le président fondateur et guide spirituel de la mission internationale d'évangélisation Paul Simplice qui a procédé à la consécration du fondateur de la mission Le Bras de l'Éternel. L'homme a reçu du consacrant les conseils d'usage inspiré des textes bibliques soulignant que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Pour cela, il doit être irréprochable, sobre, modéré, modèle pour ses fidèles. Ayant donc obtenu l'approbation des fidèles par des amens et des acclamations, Deya Ismaïla a reçu les vêtements, l'huile d'onction et l'imposition des mains de Paul Simplice. Deya Ismaïla a formé déjà une dizaine de pasteurs qui encadrent près d'un millier de fidèles repartis dans les églises en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso.